ce mois. Ok, il y a un corps. Ça signe pas l'existence d'un mois. C'est quoi? Ça signe pas l'existence d'un mois. Ça ne signe pas l'existence d'un mois, auteur. Il y a un corps, ok. Montre-moi, moi. Au-delà du corps, parce que c'est quand même pour moi, c'est beaucoup de corps quand même. Au-delà du corps, ça va être mes croyances, mes pensées, mes mémoires, mais ce qui revient tout le temps, qui est relié à. Oui, il y a des croyances. Ouais, des croyances. Ça ne signe pas l'existence d'un moi auteur. Il y a des croyances. Il y a des conditionnements. La différence, c'est que c'est tout le temps les mêmes qui reviennent, les croyances. Ok, elles reviennent toutes les mêmes. Ça ne signe pas l'existence d'un moi auteur. C'est juste que ça serait, j'aurais juste envie de penser autre chose de temps en temps. Qui je La seule chose que je perçois, c'est tout le temps le même enfermement, quoi. Tu vois, je te ramène sans cesse au sujet de l'expérience, et toi, tu pars toujours vers cela qui est perçu. Moi, je te ramène à cela qui perçoit. Elle est de ce côté-là, la libération. Tu trouveras pas ça dans le monde. Toi, tu cherches dans le monde à nouveau. À chaque fois, ça se barre dans le monde. Est-ce que je vois que ça? Je ne te demande pas ce que tu vois. Je te demande qui est celui ou qu'est-ce qui perçoit? Quel est celui qui voit? De quoi tu parles? C'est comme si tu es en train de me poser la question. Il y a des images qui définissent dans un film de cinéma, et qui est-ce qui regarde? C'est ça que tu me dis? Je comprends pas ta question. Ben, c'est pas compliqué, c'est qui moi? Ben, c'est tellement tellement dense que c'est ça, et c'est ces pensées qui reviennent tout le temps, et c'est ces habitudes, c'est... Donc tu n'es qu'une pensée, tu es une habitude. Quand tu dis moi Marie-Laure le matin, et que tu te lèves, je, c'est une habitude. Je sais pas ce que c'est, mais c'est lourd. Laisse l'idée lourde, tu ne sais pas ce que c'est. Ouais, je sais pas ce que c'est, peut-être, ouais. Enfin, je sais pas ce que c'est, quand je me regarde dans la glace, tout le temps le même truc, hein. Ok, il y a un visage, les gars. Oui. 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 Et puis dès que je descends le portable, j'ai toujours les mêmes, tu vois, c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent, quoi. C'est toujours relié à quelque chose. À nouveau, tu repars dans l'expérience. Ouais. Qui est ce jeu, et tu verras, tu vois, quand je dis tu verras, c'est cela sera vu. Il y a une appétence pour l'histoire, tu vois, pour cette énergie de contraction, dans le monde, et nanana. Je te ramène au sujet, et ça se barre, je te ramène là, et tu repars. Ça veut parce que quand tu dis je te ramène là, moi je ne l'ai pas vraiment vu cela. Elle fait pause. Mais je te propose de le voir là maintenant. Et ce que tu ne vois pas, c'est en pleine résistance. Il y a une résistance à ça. Ce n'est pas personnel, tu vois. Mais c'est comme ça. Je t'amène à voir ce qui est en train de se produire, la façon dont ça se déroule. Et ça résiste. Alors ça repart dans l'histoire. Ah ouais, mais nanana. Hop, ça ramène. Ah nanana. Tu vois l'attention se porte toujours du mauvais côté. Si tu lâches toute histoire de tout, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste dans l'instant? C'est juste calme.
c'est juste tranquille, la tranquillité. Tu vois bien que cette tranquillité, elle n'est pas du monde. C'est pas un ressenti physique. Et pourtant, tu dis tranquillité. Elle ne fait pas appel au sens. Pourtant, je peux dire, elle est perçue. C'est un mauvais mot, tu vois. On n'a pas les mots pour. Elle est là. Les mots sortent, c'est tranquille. Malgré toute l'activité du corps, oui. Malgré toute l'activité qu'il y a autour de toi, oui. Il y a une tranquillité. Ou avec, pas malgré, mais tu vois, il y a les sensations et cette tranquillité. Il y a le son de ma voix et cette tranquillité. C'est le « et » qui me... Bah, tu veux que je mette quoi? Non, malgré, c'est, ça non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que, en gros, c'est comme si j'arrivais effectivement à toucher par moment... C'est reparti. Là maintenant. Non, stop. Stop. Maintenant. À nouveau, c'est reparti. Mais voilà. Mais dès que j'entends ou que je regarde, et ben paf, j'arrive pas à voir. Et le et. C'est le et. Tu vois ce que je veux dire? Alors, la tranquillité et. Mais. C'est soit la tranquillité, soit regarder le monde. Mais cette tranquillité là en fond, alors que tu entends le son de ma voix, il n'y a rien à faire. Non. Le son de ma voix apparaît. Sur fond de tranquillité, j'essaie de trouver un mot qui va se... Sur fond de tranquillité, le son apparaît. Et ce fond de tranquillité n'est pas entaché par le son. Le son apparaît en son sein. Et ça reste tranquille. Tu vois, c'est pas... Alors, je ne dirais pas ce mot-là, non, parce que c'est pas un quelque chose. C'est pas un quelque chose. Il faut trouver les mots. Ouais. Dès que tu parles, il y a quelque chose qui se met en place en moi de l'ordre du mental qui fait que ça éloigne de ce truc-là. Ah, c'est comme si ce dont vous parlez, j'arrive à y aller, mais dans du coton, et surtout si je bouge, paf, je tombe. Non, ça c'est à nouveau la voix dont tu me parlais hier. C'est comme un livre avec une page avec des mots. Tu vois que les mots et tu vois pas la page blanche derrière. Ou un mur avec des tableaux, toutes sortes de choses. Et on te dit, mais regarde le mur qu'il y a derrière. Et tu dis, non, je vois un tableau, je vois... Mais il y a le mur. Et ben ça, c'est pareil, quoi. C'est toujours là. Regarde ce qu'on disait hier. Je suis, ou ce matin. Et si on te coupe le bras, tu es toujours... Pourtant, il y a un bras en moins. T'es oui, pas tu le peux corps. Couper tout ce que tu veux, mais pas qu'on coupe la tête. Et ben... Pas savoir, pas savoir. Pas ma tête. Es-tu sûr qu'il reste plus rien? Non. Ben non. Non, mais je colle, c'est une bonne probabilité. C'est comme si quelque chose que toi t'avais vu, oui, je parle de la vision, quelque chose que vous aviez vu et que j'ai pas vu. Mais si, comme si c'est le comme si c'est pas intéressant, le comme si c'est une pensée. Ouais. Bon, c'est un sommeil profond, qu'est-ce qui reste? Quand t'es tranquille, ouais. Tranquille. Qu'est-ce qui existe? Je sais pas, je suis pas là, justement. Là, je suis pas là. Qu'est-ce qui n'est pas là? En tout cas, il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de ressenti du corporel. Il n'y a plus de pensée, quoique le rêve, c'est une pensée. Mmh. J'ai jamais rêvé, je me souviens, j'ai jamais souvenu mes rêves de ma vie. Ok, rêvé. Alors qu'est-ce qui est là? Je ne sais pas. Mais y a rien. Qu'est-ce qui fait qu'il prouve qu'il y a quelque chose? Comment ça se fait que tu dises j'ai mal dormi ou j'ai bien dormi? Bah, je me souviens, je vois ce qui quand je me réveille. Je vois l'heure si je me suis réveillée. Mais c'est pas parce que tu regardes ton réveil que tu vas dire j'ai bien dormi. C'est ça, oui. Mais c'est vrai en plus. Mais c'est vrai en plus, je t'assure, je me pose dans le lit, je dors, paf, je tombe, j'ai pas le temps de dire au revoir. Il y a un savoir intime. Non, il n'y a pas de savoir intime pour moi. Si je regarde l'heure pour savoir si j'ai bien dormi. C'est ça, Mais c'est vraiment, hein, sens, je te jure, et je dors. Dès que je me pose dans le lit, je dors tout de suite. Pareil. Que... Tu sais, Marie-Laure, oui. Que deviendrait ta rébellion si tu réalisais? Ah. Contre le monde. Ah. Oui, mais en même temps, je serais bien contente qu'elle n'existe plus. Hein. C'est chiant maintenant, elle commence vraiment à me saouler dans le rébellion. Es-tu sûr? Essaye de le sentir. Es-tu bien sûr? Es-tu bien sûr? J'ai tellement besoin de tranquillité.
pourquoi je m'en chemin là pour être tranquille. Je t'aime, j'aspire à me reposer, à plus avoir de problèmes. Qu'est-ce qu'il y a comme problème là, dans l'instant, là maintenant, tout de suite? Là maintenant, tout de suite. Là maintenant, tout de suite. Non, effectivement, les problèmes à ce moment-là, c'est des trucs qui s'éloignent, qui sont un peu plus loin, ouais. Un peu plus loin, d'où? Comment ça se fait que tu arrives à me dire ça? Ils sont un peu plus loin. Ouais, ils me touchent moins, en tout cas. Tiens. J'arrive encore à y penser, t'as raison, là. J'arrive encore à les voir, les problèmes, mais ils ont moins d'impact. Comment ça se fait? Je sais pas, mais c'est sympa, en tout cas. Et qu'est-ce qu'on a fait dans l'instant pour résoudre le problème? Rien. Rien. Et pourtant, tu me dis, le problème, c'est de ça dont on parle. D'accord. Parce qu'à ce moment précis, tu as touché ça. Mais tu ne veux pas y aller parce qu'il y a des résistances. Et pourtant, c'est déjà là chez toi. Mais ça résiste tellement parce qu'il y a une rébellion, en fait, contre le monde, etc., etc., que ça ne veut pas voir. Mais c'est là, au moment où tu dis, tiens, les problèmes sont vus différemment, c'est là. Tu vois, vraiment, je te montre ça à toi aussi, tu vois, à ce moment précis, on n'a rien fait. Et pourtant, le problème n'est plus de la même manière. C'est juste ça.